Salutations mes amis YouTube, aujourd'hui on se retrouve dans Felsteel Arbiter Mark pour continuer nos aventures. Et aujourd'hui on retourne à K-League. Ah bah après un vu, il allait se passer quelque chose. J'ai bien fait de pas y aller hors caméra. Tum tum tum. Quelque chose ne va pas Amandine. Oh non. C'est juste que cet endroit est chargé de souvenirs. Eh oui, c'était il y a 29 épisodes, enfin, ou 30 si on compte celui-ci. Ah, les choses ont beaucoup changé depuis notre dernière visite. Oh, pas tellement. C'est tellement différent, ça me semblait si vivant même en pleine nuit. Mais nos vies sont devenues si mouvementées que l'endroit me paraît calme désormais. C'est vrai que c'est vraiment calme ce soir. Allez. Ça m'aurait étonné. Tiens, loup-garou. Restez sur vos gardes, cela ne me dit rien qui vaille. Ok. K-League. Survivre à l'embuscade, Kiri doit survivre. Ouais. Ça devrait pas poser trop de problèmes. On sort les abrutis habituels. Bah du coup je peux même sortir deux îles hein, s'il faut. Vu que on a comment ça s'appelle hein. On a Chahé qui a repris du poil de la bête. Et ouais, il a un peu plus d'attaque. Ouais, on va partir comme ça, ça devrait être bon. Par contre là c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde. Mirage, ça va être embêtant, on va pas pouvoir les one shot. Donc déjà, elle va pas aller par là la mistinguette. Barrière massive, ok. On est attaqué par trois fronts. Ophélia, poudre de sommeil. Ok, on voit qu'ils sont méchants eux. Ça va être problématique. Ok, bah du coup on va attaquer directement Wait. Qui, ma foi, semble avoir pas mal au 32% de critique. Ouais, vaut mieux pas qu'il s'approche, lui. Tac, tac, tac. Il craint toutes les sortes d'énergie. Il a beaucoup d'immunité. Et il fait mal. Pff, ok, bon, bah écoute. On va y aller comme ça. Hein. Ah bah. Il fait peut-être mal, mais il a pris cher. Par contre, ils ont beaucoup de rapidité. Et ça, c'est très très chiant. Ouais, la mage, au pire, c'est pas trop grave. Si elle dort un coup. Ok, alors, moi, grâce à mes immunités, ça passe. 216 et 228. Je pourrais continuer à attaquer le loup, en fait. Hein. Pour ça, il suffirait que je me déplace. Et que j'aille par là. Hop. Attaquer. Hop. 103, est-ce que j'ai pas moyen de lui faire encore plus mal? Blablabla, tir multiple. Ouais, je pense pas que ça fasse plus de dégâts, non, ça fait même moins. Mortalité, y a rien qui marcherait sur lui. Bon, on va faire un coup d'attaque normal, on va espérer un crit. Qu'on n'a pas eu, mais au moins il est dans la merde. Ah, punaise, ça c'est chiant, Mirage. Enfin, c'est pas grave, à lui d'attaquer, il va se lancer régène. Logique. Ok. Eh ben écoute, du coup, on va aller par là, nous. Hop, on va attaquer lui, avec un peu de chance, on va pas le buter, ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre... pourquoi je peux pas... Ah oui, rage concentré, oui. Attaquer, là, 153. Bon, ouais d'accord, raté. Ça va être plus embêtant que prévu cette histoire. Ah, au paralysie c'est pas grave, du moins qu'il bouge pas. Vous n'avez pas l'air de membre du sceau, qui vous envoie? Comme si vous ne le saviez pas déjà, vous allez à Luster pour mettre des bâtons dans les roues de notre maître, n'est-ce pas? Mais d'abord vous débarrassez de nous. Ok. Alors, toi théoriquement, on peut te buter et ça fera un mec en moins. Ouais, oui, largement même. Ouais, t'avais Mirage, donc ça passe. Mais c'est pas grave. Le heal, ben, il a pas grand-chose à faire. Donc il va pouvoir faire double lancer. Et on va attaquer... De toute façon, les attaques, j'en ai pas 150 000. J'ai saignement. Ou je fais un gros sort de feu, par exemple. Et on va faire le sort de feu, avec un peu de chance, il va y passer. Voilà. Du coup, j'ai pas l'arme d'ange. Oh, je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air intéressant, ça. Ok, et j'ai plus de mana, donc tant pis. Je peux pas utiliser un objet, du coup.
Toi, c'est dommage. Balle rageante, ok. C'est chiant, mais c'est pas trop grave. Tac, tac, tac. Bah, du coup, on va se déplacer là. Et on va virer. Tac, tac, tac. Silence magique, paralysie, sommeil furieux. Oui, ça l'enlève bien. Ouais, si, on va l'enlever. J'ai hésité, mais. On va voir comment ça se passe. Ok, Delphinia, poudre de sommeil encore. Heureusement que. Ouais, ou pas. Ok, ils vont. Aïe. Ok, ça sent les ambidextries. Mais par contre, tu m'en voudras pas. Moi aussi, je suis ambidextre. Non, mais oh. Ok, ils sont un peu embêtants. On a déjà buté un. On a déjà buté un. Il n'y a plus qu'à buter les autres. 70 HP, je pense que je peux le buter. Ouh, oui, largement même. Hop là. Ça, c'est cool. Clac. Ah, revoilà un prix, l'autre blaireau. Septimus, pourquoi est-ce si long? Par pitié, mais ne vous dérangez pas, ils sont exactement là où nous les voulons, enfin presque. Oh, qu'est-ce que tu réponds? Qu'est-ce que j'ai mérité pour avoir des imbéciles pareils? Septimus, vous nous attaquez? Les immortels sont formellement interdits d'utiliser leur pouvoir sans l'accord du conseil, vos pères n'approuveraient pas cela. Ah non? Qu'est-ce que j'en ai à branler? Toi et ton gang, je vais vous réduire en poussière si rapidement que je serai de retour à temps pour étudier cette affaire avec le conseil. Ok, c'est facile de nous menacer. Affronter un immortel ne sera pas facile, préparez-vous. Oui, comme tu dis. Aïe. Bon. Ouais, lui, j'arrive pas à le choper en plus. Je sais pas combien il a d'esquive, mais ça commence à être embêtant. Ok. Un petit critique, ça serait le bienvenu, mais il y a Mirage, donc de toute façon, on s'en fout. Ok, le heal est toujours en rideau. 158 points de vie, bah écoute, j'ai envie de dire. Prends une grosse potion. Voilà, gagne niveau pour ça, ok, admettons. Et on va se rapatrier là-bas. Ensuite, 210, bah on va s'attaquer à eux, hein. Si Septimus attaque, ça risque d'être problématique quand même. Ok, silence, on est bien contrôle. Mais au moins j'ai plus sommeil. Ok, dévastation, ok, je peux le faire. Alors, qu'est-ce que ça craint tout ça? Ok, résistance 200, waouh, il va pas craindre vraiment beaucoup les sorts. Bon, je suppose que les autres, on va éviter la terre. On faut éviter la terre une deuxième fois, donc vraiment pas terre. Ah oui, puis lui il a de la résistance partout. Bah, électricité sombre ou lumière. Alors, on va faire électricité du coup. Avec un peu de chance, ça va faire des dégâts. Ok, contre paralysie, ça c'est pas grave. Ah, contre silence magique, ça fait chier par contre. Contre saignement, ouais, c'est ennuyeux. C'est ennuyeux, je peux rien faire. De plus, toi tu vas faire chier, je sens. Ok, il se remet un peu de vie, ça c'est pas grave. Aïe, d'accord. Soin 2 en boucle. Ouais, ça va, tranquille. C'est un peu abusé, ça par contre. Aïe, il m'a paralysé. Ok. On va quand même pas se laisser faire. 159 HP. Sauf que je dois pouvoir faire mon assassinat là. Donc je devrais pouvoir le one shot normalement. Avec un peu de chance. Voilà, à dégager. Vous avez récupéré du fer froid. Ok, nickel. On peut rien faire d'autre. Lui il va être chiant. Provoqué, furieux. Oula. Tu sais pas ce que tu viens de déclencher toi. Attaquer, 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 attaquer. Bon, on va essayer de finir lui. Ok. Eux ils vont être chiants à buter. Hein. Ok.
c'est chiant déjà. Ok, tranquille. Ah ouais, bah oui. Ok. Aïe, 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 aïe. Bon. On a tous pris des dégâts et on a tous masse de debuff. Du coup, je peux strictement rien faire avec lui. Donc, on va faire remède sur Glenn, mais elle a pas de mana. Donc, elle pourra rien faire. Bah, tant pis, on va le faire sur elle quand même. Et au pire, elle fera un remède sur moi après. Mais bon. Hop, tac. Ok, ça commence à puer sévère. Ok. Amisbourine, ah oui. Ah oui! Là par contre ça va faire mal. Ok. Ok, bon. Suis obligé de me déplacer. Quoique, attends. Attends. Je peux me déplacer autour d'eux. Non, même pas, j'ai pas la portée. Je pourrais heal les deux là, mais ils craignent pas vraiment. Elle a plus que 10 HP quoi. Est-ce que j'ai un soin? Ouais, non, j'ai un self-soin. Et là, j'aurais pas la portée. Et je peux pas faire le pouvoir en diagonale. Ok, donc la mage, elle est morte. Malheureusement. Hop, on va faire un petit nom de vie, on s'en fout de Rindam. Ouais, je vais pas lui faire assez de points de dégâts avec ça. Ouais, tant pis, on va faire ça. Avec un peu de chance, ça va le tuer. Voilà. Ok, un autre problème de régler. Il nous en reste plus que 3. Le problème étant que là, si j'enlève pas le debuff sur Amandine, ça va être la merde. Et si je vais pas me heal, ça va être la merde aussi. Donc, vous m'excusez. Mais on va se heal. En plus, j'ai plus de grosses potions. C'est assez problématique. Ok. Alors, on va déjà essayer d'aller tuer l'autre là-bas. On s'éloigne de Amandine. Est-ce que... Ah, j'ai été silence a priori. Ok, ben on va y aller au flingue. Ah bah voilà, juste assez, parfait. C'est un combat dur. C'est un combat dur, voilà. Ouais, lui on peut rien lui faire. Et 186, ça m'étonnerait que je lui fasse. Ok. Par contre, si Amandine s'énerve, il y a moyen de faire quelque chose. 6 fonds de santé. Aïe 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 aïe. Et puis bien comme il faut quoi, 124. Bon, lui va se heal. Ah oui! J'avais oublié qu'il se healait méchamment quoi. 12% d'esquive. Bon. Et elle attaque qui? Elle attaque lui. Bon, bah c'est parfait. Finis-le. C'est pas moi qui l'ai attaqué. Donc, de toute façon, voilà. Et elle est plus furieuse. Ok. Ça, c'est cool. Alors, on a perdu de la vie. On a perdu de la vie. Donc, on va se mettre là. Et justice sacrée. Non, c'est pas justice. Si, c'est justice sacrée. Champ d'apaisement, au moins. 3 que je pourrais heal. Je peux pas heal tout le monde, malheureusement. Ouais, si, vaut mieux que je me heal. De toute façon, je vais pas pouvoir faire grand chose si je suis mort. Alors, dévastation, je peux le faire. Qu'est-ce qu'il craint, notre ami? Hop. Il craint un peu tout, à part qu'il a 205 de résistance, alors que tout à l'heure il avait que 200. Je vais mettre juste à côté de lui, en mode bas les couilles. Dévastation. Et le plus gros sort que j'ai, avec un peu de chance, 321 x 1,3, je devrais quand même lui faire, enfin leur faire mal. Ah, ok, elle est morte direct. Et l'autre, ah, il est contre avec saignement, mais je sais pas combien je lui ai fait de dégâts. Les dégâts apparaissent pas quand c'est ce sort-là. Bon. Ça va être problématique, mais... Pourquoi je peux pas l'attaquer?
Il a un buff à première vue qui empêche qu'on l'attaque. Ok. Faudrait que je puisse faire une popo. Ouais. J'ai un peu plus de mana quoi. Eh ben on va faire cendre de phénix sur Xelos. Parce que mine de rien, s'il survit, il pourra nous aider. On va se déplacer parce que sinon on va se prendre une AO dans la gueule. Je le sens venir gros comme une maison. Ok, on s'est quand même pris une AO dans la gueule. Ok, renouvellement. Renouvellement aussi. Monsieur joue deux fois. Ah, il vole. Ok. Ok, ça veut dire que là je vais pas pouvoir l'attaquer, c'est ça? De toute façon, à première vue, je suis silence. Donc, objet, on va faire un. Ah! Je peux pas lui faire une pierre dans la gueule. Hop. Je change juste d'une case. Alors, ça va faire que 50 points de dégâts, mais ça sera déjà ça. Ok. Toi, tu cherches pas à comprendre. Magie sacrée, soin niveau 2. Tu vas déjà essayer de te remettre en vie. 188. Eh, t'aurais pu critiquer, ça m'aurait arrangé. Mais bon, c'est pas grave. Ok, se déplacer. On va avancer là. Je suis full vie, donc théoriquement, ça devrait aller. Sombre explosion, je peux pas le faire. Drain de vie, machin, je peux pas le faire. Rayon, non plus. Mais il reste que les carreaux. Comment ça, j'ai pas accès? Ok. Si je me mets là. Je suis obligé de me pack, ça me plaît pas cette histoire. Et je peux pas le toucher quand même. Ok. Bon, alors changement de plan. Je pense qu'il y a tout le monde qui a perdu de la vie ici. Ça heal en croix, si je me rappelle bien. On va se mettre là. Est-ce que ça heal en croix ou est-ce que ça heal? Ouais, ça heal bien en croix. Donc je vais pouvoir heal que deux personnes et moi-même. Donc on va plutôt heal ici. Hop. Justice sacrée, champ d'apaisement. Ça heal pas beaucoup, mais ça heal quand même. Ok, alors lui, nos archers. Théoriquement, il devrait pouvoir le toucher quand même. Voilà. Bon, 82, c'est pas mal, mais. D'accord, je suis toujours. Silence. Eh ben, c'est pas grave, on va garder le reste pour plus tard. Voilà. Se déplacer aussi. Fais-nous un beau petit critique aussi, ça serait cool. Est-ce que t'aurais pas. T'as toujours pas le niveau pour avoir l'autre. Tire d'enracinement, non, ça me foutrait dans la merde plus qu'autre chose. Donc on va t'attaquer à l'ancienne. Allez, il lui reste que 418. Si ça continue à descendre comme ça devrait aller. Dévastation, j'ai pas assez. Dualité, peut-être. Supprime tous les buffs dans une petite zone. Ouais. On va te faire dégager de là en même temps. Hop. Non, c'était pas là-dedans. Dissiper. Voilà. On va lui enlever ses buffs. Raté. Il avait pas de buff. D'accord. Bon, bah, tant pis. Ok. Il y aura 273 HP. Il va sûrement voler du sang. Aïe aïe aïe, ça fait mal. Ok, il se prend au moins tarif de la part d'Amandine. Et en plus, c'est Amandine de jouer. Bah écoute, c'est quoi? Rage concentrée, attaquer. Essaye de nous le finir. Et un petit critique pour la fin. Et il est pas mort. Mais c'est une victoire! Ouh! Ok. Une plume de couronne, ok, et un cristal énergisé et un fil de diamant. Et Xelos, bah, qui est blessé. Ok, bon, le marqué, c'est bon, vous avez gagné. Je me rends, tu parles, hein. Il va se barrer, ouais.
Ah, ou pas. Ok. C'était donc bien votre magie que nous avons détectée. Septimus, nous avons senti que vous utilisez la magie mortelle sans l'accord du conseil. Expliquez-vous. Il va rien dire. C'est de sa faute. C'est elle qui m'a attaqué. Elle m'a attaqué en ville sans raison comme un animal enragé. Il a bien fallu que je me défende. Vous devez quand même pas me sanctionner pour cela. Je ne suis pas sûr de bien vous comprendre. Selon vous, l'une de nos meilleures judges croise un membre du conseil pendant qu'il se promène et elle l'attaque sans raison? Vous vous doutez de moi, comment osez-vous? Très bien, comment expliquez-vous qu'un judge attaque un membre du conseil qu'elle a juré de servir? Pourquoi cette question? Comment pourrais-je deviner les motivations de cette vermine? Devenir marquée peut avoir des effets surprenants. Nous savons tous que le pèlerinage est une période chaotique. Bienvenue, capitaine Vashkiri. Quintus, Tertia. Pourrais-tu nous donner ta version de ce fâcheux événement? Bien entendu, nous en étions à la dernière étape du pèlerinage, faisions route vers le village de Gogombob lorsqu'il nous a attaqués. Nous avions éliminé quelques assassins, nous commencions à nous rendre le dessus lorsque Septimus est apparu. Il s'est plaint que ses valets étaient trop lents et s'est joint au combat, sans réussite comme vous pouvez le voir. Calomnie, vous feriez mieux d'avouer, Judge, mon intégrité. Septimus! Vous savez comment fonctionnent ces procédures, vous avez pu vous exprimer, c'est maintenant au tour de la capitaine. Cette accusation est très grave, Kiri. Pourquoi Septimus essaierait-il de vous tuer, toi et ton équipe? C'est une bonne question, Quintus. Au cours de nos derniers voyages, nous avons découvert que ces bandits responsables du pillage de plusieurs villes de la région collaboraient avec des arbitres. Nous avons ensuite appris qu'ils recevaient leur ordre de Septimus. J'étais moi-même présente et j'ai pu le voir de mes propres yeux. Il était prêt à tout pour que cette information n'arrive jamais aux oreilles du conseil. Balivert, mensonge, ce n'est pas vrai. Ces déclarations sont très graves, Kiri. Nous ne pouvons pas vous appuyer uniquement sur le témoignage d'un arbitre, tout particulièrement lorsqu'il met en cause un immortel. Le conseil étudiera la déclaration des deux parties avant de rendre son jugement. Étant donné la gravité de l'affaire, la décision risque de prendre son temps. Mais jusqu'à l'énoncé du jugement, tu dois reprendre ton pèlerinage. Je comprends. J'aimerais également vous faire part de nos découvertes à propos des reliques. Nous avons mis au jour un complot du sceau visant à drainer. Primus nous a déjà tout expliqué, ne t'inquiète pas. Je vois. Et Primus, à mon avis, c'est un putain de traître. Mais bon. Venez, Septimus, le conseil doit étudier cette affaire. Oh. Bon, au moins on s'en sort et le drama est réel. Ils semblaient déjà tout savoir des reliques. Je me demande ce que Primus leur a dit exactement. Ce n'est pas si mal à y réfléchir. Survivre à l'attaque d'un immortel, c'est déjà quelque chose, mais repartir ensuite avec le soutien du conseil, c'est encore mieux. Je ne comprends pas. Quintus nous dit que notre témoignage contre Septimus sera mis en doute et pourtant il nous laisse repartir. C'était évident que Septimus mentait et très mal, mais le conseil ne peut apparemment pas le sanctionner en se basant seulement sur notre témoignage. Mais pourquoi nous laisser repartir? Quintus a dit que les délibérations du conseil seraient longues, ce qui nous donne largement le temps de terminer le pèlerinage. Lorsqu'il sera fini, Kiri pourra devenir une immortelle. Ce sera alors la parole d'un immortel contre un autre, et comme nous avons raison, justice sera rendue. Vous êtes vraiment doué pour sortir des situations délicates. Je me demande si un jour je ferai aussi bien. Ah, tu as encore quelques années pour te perfectionner, tu dois juste gagner en expérience. Fais-moi confiance, je sais de quoi je parle. Allez, il n'y a pas de temps à perdre, allons-y. Tintin. Il y a encore le Hulk qui s'est fait déboîte, mais c'est pas grave, on a la suppléante qui est là. Ouf, bon, bah en tout cas c'était très mouvementé, j'espère que cet épisode vous aura plu. Et je vous donne rendez-vous très vite pour continuer. On s'approche doucement de la fin. N'hésitez pas à mettre un petit pouce up, à aller voir mes vidéos sur Tipeee. Enfin, aller voir des vidéos sur Tipeee pour regarder les publicités. En gros, oula, je perds mon français. Bref, en tout cas, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye, une petite amie YouTube.